Mademoiselle, mademoiselle, j'ai demandé San Francisco il y a 10 minutes. Et c'est urgent. Qui est-ce ? Il y a un télégramme pour vous, monsieur. Je suis pas encore habillé. Passez-le sous la porte. Don't give a damn, I am the Cobra. No one can tell me what to do. So when you're pleading and begging mercy, mercy on you, a heart of stone, the most you'll get now. I never needed help from nobody. How could I trust them anyway? Better alone, I hit fast and fade out, fade out, fade in. One day I'll be up all of your steps. Before I strike, you'll never know. It's coming soon, that give a Cobra. And there's no trying to get away. His heart is cold and he can be so rough, so tough, so rough. You just can't miss it, the kiss of the Cobra. Don't give a damn, I am the Cobra. No one can tell me what to do. Mm-hmm.
Monsieur Murray, ici Larry Stanziani. J'ai les informations que vous m'avez demandées. Allô? J'ai filé votre femme toute la journée. Vous pouvez être tranquille, il n'y a pas d'homme dans sa vie. Merci, je suis rassuré. Passez me voir demain. À demain. Au revoir. Salut, Larry. Salut. Bonjour, Sweeney. Bonjour. Viendrez vous voir un de ces quatre. C'est moi. Vous avez la chance de m'avoir en personne. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. J'étais sur une autre ligne. Oh, monsieur Stanziani, je suis désespérée. Voilà ce qui m'arrive. J'ai une petite chienne adorable qui s'appelle Flossie. Et devinez ce qu'elle m'a fait samedi dernier. Eh bien, j'étais descendue pour lui faire son pipi. Et la vilaine se sont oui, ce sont des choses qui arrivent. C'est toujours éprouvant de perdre un être qui vous est cher. Mais en ce moment, j'ai une autre affaire en cours. J'aimerais pouvoir vous aider, madame, mais j'ai peur de ne pas avoir un instant de liberté pour m'occuper de votre affaire. Mademoiselle Moore, donnez-moi l'agenda des rendez-vous. Merci, mademoiselle. Voyons ça. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Le planning est plein comme un œuf. D'ailleurs, ma secrétaire secoue la tête. Je ne peux rien vous promettre. Laissez-moi votre numéro de téléphone. 32-21-412. Je vous demande un instant, je dois fermer la combinaison pour ouvrir le fichier. Bon, je vous écoute. Voilà, c'est un fox terrier blanc et noir, âgé de 2 ans, perdu près de l'hôtel Saint-Francis. Hôtel Saint-Francis, oui, j'ai noté. Faites l'impossible pour me le retrouver. Je vais essayer. Je vous tiens au courant dès que j'ai retrouvé le cadavre mort au vif. Et au revoir. Excusez-moi, j'attends de dire que vous étiez spécialiste. Mon petit chat s'est perdu. Surpris, Larry. Devrait plutôt investir dans les croquettes pour animaux. Quelle tristesse. Quand je pense que dans le temps, personne n'aurait surpris Stanziani. Je vois que tu es en forme. Je craignais que le cobra n'ait souffert de son séjour. La prison pendant 3 ans, ça doit être dur. Ces 3 ans, c'est à vous que je les dois. Larry, j'ai la possibilité de t'offrir l'occasion de t'en tirer. Oui. J'ai appris votre promotion. Vous êtes arrivé très haut. Quant à toi, par contre, tu as descendu les échelons après ton expulsion du narcotique bureau. Je suis venu pour t'aider. Il aurait fallu que vous m'aidiez il y a 3 ans. Tu t'étais fourré dans la merde jusqu'au cou. Il m'était impossible de te donner un coup de main. Alors? Tu reprends le collier? Vous rigolez? Non, ça ne m'intéresse pas. C'est une personne très importante qui a des difficultés qui m'a demandé de l'aider avec le maximum de discrétion. Ça ne m'intéresse toujours pas. Et si je te disais que Kandinsky est dans le coup, ta réponse serait identique? Serge Kandinsky. Sûrement. Kandinsky a été repéré. Il se balade en Italie. Il a été vu à Gênes. Il a probablement une bonne raison. Pourquoi m'avoir choisi?
Disons pour trois raisons. La première, c'est parce que tu étais le meilleur de mes agents, totalement incorruptible. Solide entre nous, c'est pour cette raison que tu as foutu en l'air cette brillante carrière. La seconde est que la ville de Gênes n'a pas de secret pour toi. Et la dernière raison? Kandinsky, c'est une bonne raison. Je dois t'avertir que c'est une mission très dangereuse. Officiellement, je ne suis au courant de rien. Il faudra travailler seul. Si tu échoues, ça pourrait te coûter encore plus cher que la fois précédente. Et si je trouve Kandinsky? Tu dois m'avertir immédiatement. Pas question de vengeance personnelle. Bon, d'accord. Tiens, voilà $10,000 pour commencer. C'est pour les frais. À ton retour, tu reprendras ta place, si tu la veux, et ton ancien nom de guerre, le Cobra. S'il y a un retour. Monsieur Stangiani, Larry Stangiani. Oui. Je suis Raoul Papazian. J'ai reçu un coup de téléphone d'un de nos amis communs aux États-Unis. Il m'a chargé de m'occuper de vous. Je vous ai réservé une chambre dans le meilleur hôtel de la ville. Vraiment? Oui, j'ai pris cette liberté. J'espère qu'elle vous plaira. Vous le ferez savoir. C'est sûr. Depuis quand vous avez dit que vous viviez à Gênes? Non, je ne l'ai pas dit. Cher monsieur, sachez que notre activité s'est transmise de génération en génération. Et ça a commencé il y a maintenant des siècles et des siècles. Ça a toujours existé. Mais je doute que vous vous intéressiez à l'import-export. N'ai-je pas raison? À quoi vous sert cette petite balle noire? À me passer les nerfs. Ce n'est pas le Waldorf Astoria, mais c'est un très bon hôtel. N'hésitez pas à me joindre si vous avez besoin de la moindre chose, d'accord? Merci beaucoup. Excusez-moi, c'est très pratique ce téléphone. Allô? Oui? Mm-hmm. Au revoir, à bientôt. Je suis désolé, j'aurais aimé vous inviter à dîner, mais j'ai un rendez-vous. Non, ce n'est rien. Allô? Monsieur Stangiani, Larry Stangiani. Ah, c'est vous. Oui, merci. Comment va-t-il? Non, surtout ne lui dites rien. Je veux lui faire une surprise. J'arrive tout de suite. Merci. Pourquoi faut que je révise ma géographie pendant l'heure de récré? Ne fais pas tant d'histoires. Installe-toi là et travaille. Tout à l'heure, je viendrai t'interroger et nous verrons bien si tu as révisé tes leçons de géographie. Mais je les connais, mais ce sont de géographie. Bon, eh bien, tu vas me dire où se trouve le Kilimandjaro. Il est à sa place, si personne ne l'a pris. Allez, travaille, ne dis pas de bêtises. Trois canards noirs s'en allaient à la foire, car ils voulaient voir leur ami le Loir, et en chemin, le renard mangea un canard noir. Il n'y a qu'une personne qui connaisse ça. Thank you.
Vous désirez? Vous n'avez qu'à m'apporter le plat du jour. Bien, monsieur. Quelle surprise! Ce vieux Larry! T'es surpris de me voir, hein? Tu aurais dû prévenir. C'est trop dur pour mon cœur. Oh, tu te plains toujours de ton cœur. Tu m'as dit ça le jour où tu m'as sauvé la vie. Non, non, le jour où toi, tu m'as sauvé non, la vie. Non, toi, tu as sauvé la mienne. Larry, je ne te crois plus. C'est toujours aussi bon? Ouais, ça n'a pas changé. C'est toujours aussi excellent. Ça fait 10 années que je viens ici. Mais 10 années que je viens ici tous les soirs. Et rien n'a changé. C'est nous qui avons changé. Toi, tu as toujours ta barbe. Oui. Oui, mais maintenant, elle est blanche. Tu sais, Larry, je t'ai envoyé quelques lettres. Mais elles m'ont toutes été renvoyées avec la mention « inconnue à cette adresse ». Ouais. J'ai été en tôle pendant 3 ans. Tout ça parce que tu as essayé d'épingler Kandinsky. Et on n'a pas voulu qu'en l'arrêtant, tu remontes la filière jusqu'à quelqu'un qui était... très haut placé. Que sais-tu de Kandinsky? Tu ne vas pas me dire que tu as repris du service. Tu n'as pas répondu à ma question. Ah! Alors tu es revenu pour le tuer, n'est-ce pas? Voyons, Larry, il faut apprendre à pardonner. Hein? Tu sais ce qui est écrit dans l'Ecclésiaste? Le jour du jugement, Dieu jugera toutes nos actions. Et il faudra lui rendre compte de toutes nos actions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Moi, tu sais, il y a déjà très longtemps que je ne parle plus avec Dieu. Bon, Kandinsky est à Gênes. De temps en temps, il disparaît, puis il réapparaît. Il semblerait qu'il ait mis des capitaux dans une boîte de nuit qui s'appelle l'Astoria. Officiellement, la propriétaire est une certaine Lola Alberti, mais on dit que cette boîte lui appartient et que cette Lola Alberti lui sert de couverture. Alors, Larry, on va travailler ensemble tous les deux. Comme au bon vieux temps, hein? Ne t'emballe pas, surtout, il n'y a rien d'officiel. Eh bien, ça ne fait rien, tu peux compter sur moi. David, j'ai autre chose à te demander. Oui? Que sais-tu d'un certain Raoul Papazian? Import-export, une des plus grosses boîtes de la ville. Honnête? Ben, apparemment, oui. Mais si tu veux en savoir plus long, je te dirai tout sur lui. Tu es comme Dieu, tu sais tout? Non, je ne suis simplement qu'un pauvre juif qui trafique depuis 20 ans. Allez, viens, je vais te faire un bon café. Tu viens? Allez, suis-moi. Tu le feras très fort, parce que cette nuit, tu es dans une boîte. La bienvenue et votre disco girl, Brenda, comme d'habitude, vous fera danser. Hey, je vois notre ravissante Lola qui paraît déchaînée ce soir. Bravo Lola! Elle a pris la direction de la boîte. Waouh, elle est fantastique. Lola, attention, femme jalouse. Sénateur, je vous laisse, vous courez un trop grand risque. Ça va les nénettes, on rigole, c'est extra. Oh garçon, servez du champagne pour le sénateur.
Nous nous connaissons? Non, mais j'aimerais bien faire connaissance. Ah, d'accord. Je suis Lola Albertine. Candice qui? Vous dites? Je veux voir Candice qui. Ah, je connais personne de ce nom. Vous en êtes sûr? J'en suis sûr. Ouais. Où est-ce que vous allez? Je veux sortir. Non, c'est hors de question. Et ne jouez pas au plus malin. C'est compris? Oh non, ce n'est pas mon intention. Allez prendre un verre. Je dois faire par la maison. Non, non, je vous remercie beaucoup. Je ne bois rien. S'est déjà manifesté. Hein, il n'a pas perdu de temps. Ce soir, il est allé à l'Astoria. Mais en ce moment, il y est encore. En arrivant, il a commencé à poser des questions, Lola. Ouais, non, sois tranquille. Nous contrôlons le moindre de ses mouvements. Ne bougez pas ou je vous tire dessus. Qu'est-ce que vous faites là? Et qui êtes-vous? Ce n'est pas très élégant de parler à une femme en lui tournant le dos. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Larry Stanziani. Et je ne crois pas que mon nom vous dise quelque chose. Ah! Attendez, attendez, c'est pas la peine de s'énerver comme ça. Il n'est pas chargé. Vous êtes vraiment stupide. Stupide d'avoir un pistolet. Et ensuite, que ce pistolet soit pas chargé. Vous avez la main lourde. C'est pas très gentil de traiter comme ça une faible femme. Moi, je vous croyais galant. Qu'est-ce que vous faites ici? Et vous? Je suis venue me reposer un instant. Avec une arme? Oui, ça peut vous sembler étrange, mais ce pistolet m'accompagne toujours. Pour une jeune femme comme moi sans défense, et qui mène ce genre de vie, avoir une arme, c'est important, non? Même s'il n'y a rien dedans, ça sert toujours à tenir les hommes à distance. Candice qui? Il faut que je parte. Au revoir. Je cherche Candice qui. Lui, c'est le pire de tous. La mort, c'est tout ce qu'il mérite. On a un tas de choses à se dire. Quand est-ce qu'on se revoit? Pour parler de Candice qui? Oui, entre autres. Quoi d'autre? On vous attend. J'ai entendu.
32 60 24. Notez ce numéro. Je vous appellerai bientôt. Restez où vous êtes ou je vous tire une balle dans la peau. J'hésiterai pas une seconde. Tiens, voilà des munitions. Petit marrant. On le prend en filature dès qu'il sort. Ouais, d'accord. Et j'espère qu'on ne sera pas obligé de poireauter jusqu'à la fermeture. Tiens, on a du pot. Non, ben si j'étais à ta place, j'hésiterais pas une seconde de plus. Mais t'as une de ces touches avec cette nana, tu serais con de laisser tomber. T'as raison, surtout qu'elle est mignonne. Et en plus, t'as son adresse. Fait-il que tu reviennes à la surface? Ils doivent être à court de personnel pour repêcher une épave comme toi. J'ai un conseil à te donner. Va-t'en. Va-t'en avant qu'il ne soit trop tard. Cobra, ne laisse jamais la fenêtre ouverte. C'est un avertissement. La prochaine fois, ce sera plus sérieux.
passer pour Kandinsky. Je peux rien lui devoir, même pas un jeton de téléphone. Tu as lu le scandale des parties truquées? Non, lis pas trop, ça fait mal aux yeux. On est le chargement pour Amsterdam. C'est sur les quais. Il n'y a pas eu de difficulté cette fois-ci? Non, pas du tout. Bon, continue à charger, envoie-moi le bordereau. Ah, d'accord. Avance encore un peu. J'ai des papiers à faire au bureau de la douane. On se retrouve tout à l'heure. Arrête-toi à l'endroit habituel et fais vérifier les freins, d'accord? D'accord. Tu as vu? Tu sais ce que tu as fait. Oui. À plus tard. I'll call you back. Goodbye. Oui? Monsieur Sabatino voudrait savoir où se trouve la cargaison de bois en provenance de Lagos. J'ai justement le bordereau. Le bois de M. Sabatino est dans le hangar 10. Merci, Stéphania. Si vous voulez bien me suivre. Est-ce que je peux vous être utile? J'espère. Je m'appelle Stanziani, je viens voir Monsieur Papazian. Oui, un instant. Monsieur Papazian, il y a un Monsieur Stanziani qui est dans le hall. Faites-le entrer. Allez-y, il vous attend. Je vous donne un 10. Merci, monsieur. Un 10 avec mention, très bien. Waouh! Ah, Monsieur Stanziani, comment allez-vous? Je suis content de vous voir. Moi aussi. Est-ce que Gênes vous plaît? Oui. C'est une très belle ville, n'est-ce pas? Évidemment, ce n'est pas San Francisco, mais peut-être que par certains côtés... Ce matin, on a essayé de me tuer. Regardez d'ailleurs. Non, vous voulez rire. On m'a tiré dessus par la fenêtre de ma chambre d'hôtel. Ça, c'est incroyable. C'est vous qui avez choisi cet hôtel. Un hôtel où il y a de grandes fenêtres. Oh, Stanziani, qu'êtes-vous en train d'imaginer? C'est pas sérieux. Vous m'avez été recommandé par un ami commun. Dans ce cas, pourquoi vous me faites filer? Ah non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec une filature, c'est une protection. Je suis à votre disposition, Stanziani. Dans ce cas, je vous demande, que savez-vous de Kandinsky? Kandinsky? Je crois qu'il est propriétaire de 2 ou 3 boîtes de nuit. C'est un homosexuel. Un des pires dans le genre violent. Oui, ça je le sais. Qui est le petit ami du moment? On dit que c'est un certain Ivan. Ivan Kadovitch. C'est cela pour tranquilliser. Kandinsky est un de ceux que je préférais voir mort et enterré. Kandinsky n'a pas l'air très populaire. Tout le monde par ici souhaite sa mort. Comment tout le monde? C'est tout ce que vous avez à me dire sur lui? Oui, je n'ai pas d'autres informations. Je serai avec ça. Merci de votre aide. Pardon. Allô, Goldsmith? Oui. Oui, c'est moi. J'ai déjà pris contact avec notre homme. C'est lui que vous devriez féliciter. Il m'a trouvé tout de suite. Il a pris le contact en essayant de me faire descendre. Mais je vois, ta présence commence à les inquiéter. En tout cas, Larry, sois prudent. J'ai besoin de toi, vivant. J'ai découvert le repère de Kandinsky. C'est une boîte de nuit qui s'appelle l'Astoria. Très bien. Surtout, ne le perds pas de vue. Quoi d'autre? Que pensez-vous de votre ami Papazian? Celui qui est venu me chercher à l'aéroport. Papazian? Un brave gars. Il fait dans l'import-export. Il a une grosse boîte. Ça pourrait être aussi un gros paravent. Quoi? Une couverture, en quelque sorte. Oui, tout est possible. Que dois-je faire?
Surveille-le, lui aussi. Je vais loucher. Ce ne sera pas la première fois que tu cours de lièvre. Ok, je continue mes recherches. Ah, encore une chose, si ça ne vous ennuie pas, donnez congé au propriétaire de mon bureau. Ça fait des mois que je n'ai pas payé. D'accord, je m'en occupe. À bientôt. Minute. Non, j'en ai besoin. D'accord, je te la rendrai, mais à une seule condition. Oh. Tu vas me dire où je peux trouver Candice Key et je te la redonne. Oh non, je t'en prie, il me faut cette piqûre. Non. Oh. Où est-il? Assez. Rends-la-moi. Larry. Oh, j'en ai besoin. Oui. C'est Candice Key. Non, pas du tout. J'ai bien fait de te renvoyer un jeton. Tu es toujours aussi imprévisible, Cobra. Que dirais-tu d'un rendez-vous pour parler affaires? Si. Non. À minuit dans le marché aux poissons. Oh non. D'accord. Vive la peau. Alors, on peut dire que tu as de drôles de cicatrices. Qui t'a fait celle-ci? Un ami. C'est ici que la balle est entrée. Regarde, et c'est par là qu'elle est sortie. Et tu lui faisais confiance? C'est le dernier en qui j'ai eu confiance. Et c'est pour ça que ton surnom est... le Cobra. Ouais. Autrefois, j'étais le Cobra. En tout cas, avec moi, tu peux être tranquille. Je ne risque pas de te mordre. On ne peut jamais savoir. Continuons à parler. À parler de toi et de moi? De Candice Key. Oh, encore! Nous le haïssons. Je ne crois pas que nous soyons les seuls. Qui sont les autres? Papazian. Tu le connais? J'en ai entendu parler. Il a une société d'import-export, mais ce n'est qu'une façade. Derrière tout ça, il y a sûrement quelque chose. Une saloperie? Ça m'étonnerait que ce soit propre. Est-ce que tu crois qu'il existe un lien entre Papazian et Candice Key? Oh, ce ne sont que des racontars qui viennent de Lola. Tu sais très bien ce qui arrive aux gens qui se droguent. Sans qu'on leur demande rien, ils vous racontent des tas de trucs. Il faut pas trop s'y fier, quand même. Oui, je sais. Continue. Candice Key doit le faire chanter. Pour quelle raison, je l'ignore. Si tu veux mon opinion, t'es très calé. Tu es une encyclopédie ambulante. Et moi, j'adore feuilleter les encyclopédies. Coquin.
Tu sais, il suffit seulement d'écouter. Dans le genre de monde que je fréquente, il faut connaître ses ennemis, sinon on a vite fait d'être étendu sur une table de mort. Où vas-tu? Je dois rencontrer un ami. Grandisky! Grandisky! Tu es seul? Et toi? Toujours méfiant, hein? Reste où tu es. N'approche pas. Je serais heureux de regarder ta gueule. Je voudrais savoir si tu es réellement Kandinsky. Pourquoi viens-tu te mêler de mes affaires, Cobra? J'en sais rien encore. Toi, dis-le-moi. C'est trop gros pour toi. Tu t'y es déjà cassé le nez une fois. Prends le large pendant qu'il est encore temps. C'est un conseil ou un ordre? Prends-le comme tu veux. Hier, je t'ai déjà épargné. J'aurais pu me débarrasser de toi tout de suite. Maintenant, nous sommes quittes. C'est pour la fois où tu aurais pu me tuer, où tu ne l'as pas fait. Je me demande pourquoi. Sûrement un instant de faiblesse. Alors, est-ce qu'on parle affaire? Comme d'habitude, moi je viens seul. Et toi, tu viens accompagné par une armée. Il dort, il a besoin d'une couverture. Conduisez-moi une teinturerie. Oui, laquelle? Aucune importance. L'argent n'a pas d'odeur. C'est exact, mais pour une fois, il en a une. Cazès, c'est moi, Stanziani. T'as appris quelque chose? D'accord. Oui. Non, non, j'ai pas le temps. Je serai chez toi dans 2 heures environ. Non, non, je dois faire quelque chose d'abord. Tu as un pistolet. Salut. J'espère que l'odeur n'est pas trop imprégnée. Non, non, soyez tranquille. Pas. Quand c'est toi le batteur, tu es seul contre tout le monde. Tu peux y aller! Tu peux y aller! Cours! Cours! Plus vite! Il faut de la hargne si tu veux gagner! Plus vite! Allez, cours! N'oublie pas, au baseball, il faut que tu te donnes un fond! T'es prêt? Ça y est! Vas-y! Vas-y.
Est-ce que tu le reconnais? Hein? C'est le mien. Je l'ai conservé, avec d'autres vieux souvenirs. Épais mystère sur le scandale de la drogue. Un agent américain du Narcotic Bureau a été arrêté. On suppose qu'il avait un informateur dans notre ville. Drôle d'informateur. Je n'ai rien pu faire. Ah, c'était une sale affaire. C'est du passé. Et en plus, tu travaillais pour rien. Voyons, ça n'a pas de sens de se faire payer pour aider un ami. Bon, je vais faire du café. Ah, en fait, j'ai appris quelque chose sur Papazian. Il n'est pas aussi propre qu'il en a l'air, tu sais. J'en ai entendu parler. Il paraîtrait que Kandinsky et lui seraient associés. Et que Kandinsky devrait chanter. Ça, c'est un détail que j'ignorais. Juste une goutte. Tu as découvert quelque chose? J'ai suivi leur camionnette. Ah, tu avais raison. Non, non, sans sucre. Ces gars-là jouent un drôle de jeu. J'ai suivi la camionnette jusqu'à une ancienne usine. Du bon boulot. Donne-moi l'adresse. Pourquoi? On y va tous les deux? Et si je te disais non? Mais j'irai quand même avec toi, bien sûr. David, ça te gênerait pas que je dorme ici? Oh, non, non, pas du tout. Mais à une condition, c'est que tu ne me colles pas partout tes saloperies de chewing-gum. Et à midi et quart, la camionnette n'était toujours pas sortie. Oui, c'est lent. Et un des types que nous avons vus sur le port est arrivé. Une demi-heure après, la camionnette et une voiture sont sortis. La voiture avait une plaque étrangère, alors j'ai suivi la voiture. Bonne idée. Mm-hmm. Je l'ai quittée quand elle a pris l'autoroute en direction de la France. Qu'est-ce que tu penses de ça? Que le chargement de la camionnette est passé dans la voiture. Viens, regarde. Je l'ai jeté un coup d'œil. Et moi, en attendant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, tu prends des notes. Vous allez jeter toute la drogue par terre. Allez, grouillez-vous. Allez, va là-bas. Mais t'es complètement barjot d'arroser. Sans compter l'inflation. Je ne suis pas impliqué dans cette sale affaire. Mon organisation opère sur des bases mondiales. Je ne peux pas contrôler toutes les expéditions. Non, ces gens travaillent pour vous et vous êtes d'accord avec Kandinsky. Kandinsky est mort. Vous l'auriez appris en lisant le journal. Son corps carbonisé était découvert dans une décharge.
Félicitations. Vous avez réussi. Tout a très bien marché. Et vous m'avez utilisé pour le trouver. Vous lisez trop de romans policiers. On y apprend un tas de choses. Mais voyons essayer de raisonner. Pourquoi aurais-je pas assassiné Kandinsky? Je vais vous dire pourquoi. Kandinsky en avait assez de se contenter des miettes. Et il voulait la grosse affaire. Je ne vois vraiment pas ce que vous voulez insinuer, monsieur Stangiani. Essayez-vous de me compromettre? Auriez-vous soudoyé mes hommes? Vous n'êtes pas le genre de type que l'on peut compromettre. Autrement, vous ne seriez pas arrivé si haut. Oui, peut-être que vous avez raison. Vous n'êtes qu'un garçon de course. Quelqu'un essayait de me tendre un piège. Eh bien, dans ce cas, vous êtes aussi un con. T'as toujours mal aux dents? Bien sûr, ça fait des heures que j'ai mal. Tu as pris un cachet d'aspirine? Ça, c'est déjà fait. Enfoiré, tu perds rien pour attendre. Salut, beauté. Au revoir, monsieur Stangiani. Allez, au revoir, petit rigolo. Venez. Tiens, prends ce sandwich. Et toi, qu'est-ce que tu manges? T'inquiète pas, j'en ai pris plusieurs. Tiens, en voilà un au fromage. Je vais manger celui-là. Dis, c'est vrai que ton métier rapporte beaucoup d'argent? On en gagne. T'en as beaucoup d'argent? Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. Mange ton sandwich. Toi et moi, on se connaît trop peu. On devrait rester ensemble plus longtemps. Je pense qu'il est temps que j'apprenne à être un père. Tout à l'heure, tu m'as posé une question. Une question à propos d'argent. J'en aurai beaucoup à la fin de ce travail. Dis donc, ça te plairait de venir aux États-Unis avec moi? Oh oui, je veux y aller. Oh, tu sais, il y a longtemps que je voulais y aller. J'ai prié tous les soirs. Oh papa, on se quittera plus du tout. On sera toujours ensemble. Oh papa, emmène-moi. Je suis sûr que ta mère aurait été contente. Et papa, on ira en Amérique dans un jumbo, hein? J'ai fait une maquette en plastique d'un 747. Oh papa, je suis contente de partir. On restera toujours ensemble. Ton ami Kandinsky est mort carbonisé. J'ai réussi à avoir une photocopie du certificat de décès. Le corps a été identifié par un certain Ivan Kadovitch. C'est un gars qui travaille à l'Astoria. Tiens, tiens, c'est étrange. J'ignorais ça. Pourquoi? Tu le connais? Non, pas du tout. J'en ai entendu parler. Là-dedans, tu as un rapport. J'ai eu des photocopies de tous ces documents. Avec quelques bons amis, une certaine dose de chance, l'aide du Seigneur, on a tout ce qu'on désire. David, je te fais perdre ton temps avec cette histoire et en plus je te fais courir des risques. On m'a payé pour m'occuper de ça, c'est normal que je te paie. Est-ce que tu crois qu'avec de l'argent on peut tout résoudre? Non, Larry, pas question. Ça te fera du bien d'être débiteur de quelqu'un. Allez, accompagne-moi, je vais téléphoner. À vos ordres. Quelqu'un qui nous a pris en filature. Ça m'étonne pas. Avec la circulation, on n'a aucune chance de pouvoir réussir à filer. Non, laisse-le nous suivre. Au contraire, ça m'arrange qu'il sache où je me rends. J'ai noté tout ce qu'il me fallait. Envoyez-moi ça par retour de courrier. T'es toujours à l'hôtel? Non, j'ai pris une chambre ailleurs. Non, je t'envoie ça. Envoyez tout à l'American Express. D'accord, je fais effectuer des recherches immédiatement. Est-ce que tu es sûr que Kandinsky a été tué? C'était écrit dans les journaux, mais je ne crois pas tout ce que je lis. C'est peut-être une manœuvre pour nous déconcerter.
Qui déconcerte tout le monde, monsieur Goldsmith. Sa mort doit arranger beaucoup de gens. Tu as une idée? Oui, je vais chercher un certain Kalovitch. Pas d'imprudence, Larry. Je serai. Alors, bye bye et à bientôt. À bientôt. C'est dégueulasse. Mademoiselle Blaise, passez-moi le fichier, j'attends la ligne. Ça va être chiant, qu'est-ce que tu fous ici? Oh là là! Puisqu'on se rencontre si souvent, on pourrait peut-être se fiancer. Peux-tu m'aider à trouver une adresse? La mienne? Non, l'adresse d'Ivan Kalovitch. Ah! Je croyais que tu t'intéressais plutôt aux femmes. C'est exact, j'ai un faible pour les femmes. Mais pour l'instant, je suis à la chasse à l'homme. À la chasse d'Ivan Kalovitch. Tu veux son adresse? Si tu la veux, tu n'as qu'à venir la prendre. Allons, ne joue pas au chat et à la souris. Donne-moi cette adresse. Je serais désolé de me mettre en colère. J'ai horreur de faire mal à une femme. Tu l'avais toujours, l'adresse d'Ivan? Alors, chérie, tu veux une danse? Allez, viens, mon chéri, viens te battre. Je vais te montrer ce que c'est que se battre. Tu cherchais Ivan Kalovitch? Là, tu l'as devant toi. Thank you.
Est-ce que tu es blessé, Larry? Rentrons. La voiture est à la porte. Je vous avais dit de la surveiller. Brenda, c'est trop de choses. Malheureusement, elle est sensible au charme de Stanziani. Quelle petite idiote. Le risque est trop grand. Il faut avoir le courage de ne pas tenir compte de ses sentiments et la convaincre qu'elle ne doit rien dire si Stanziani lui pose des questions. Je vais te raconter une histoire. Il y avait une fois un type qui s'appelait Serge Kandinsky. Vas-y, continue. Et puis il y avait Lola, qui ne faisait qu'un avec Ivan. C'est lui qui dirigeait l'Astoria. Ça, j'aurais dû m'en rendre compte le jour où j'ai vu un rasoir. Un rasoir et un blaireau. Alors? Alors, c'est à cet instant qu'entre dans la vie de Kandinsky une femme particulièrement jolie. Ivan, jaloux, se sent détrôné, alors il décide de combattre sa rivale sur son terrain et il se transforme en une jolie femme pour reconquérir son amant. Toi, tu manques pas d'imagination. Dis-moi, qui serait cette jolie femme qui a rendu Ivan fou de jalousie? C'est peut-être toi. Moi? Le drame habituel de la jalousie. Tu crois qu'Ivan a tué Kandinsky? Alors tu l'as tué pour te venger. Tu es cinglé? Il n'est pas question de jalousie. C'est un hasard, il m'avait donné rendez-vous pour qu'on discute du nouveau show. Quand je suis rentrée, il était en train de t'étrangler. J'ai tiré parce que j'ai eu peur. Non, Larry, je ne suis qu'une folle qui perd son temps à donner des explications. Tu as eu de la chance de te trouver à l'endroit qu'il fallait au moment où il le fallait. Tu pourrais être soupçonné. Bien sûr, je n'ai aucune preuve. Tu es extraordinaire. Tu n'as pas honte de soupçonner une femme avec qui tu as fait l'amour. Pourquoi j'aurais honte? Tu sais, dans la vie, il faut toujours prendre le meilleur. En ce qui te concerne, mon joli cœur, pour faire l'amour, sans aucun doute possible, tu es la meilleure. C'est terminé. Je vais te raconter la fin de l'histoire. Ils se marièrent et... Je te ramène la voiture demain matin. Vraiment, tu veux pas monter un moment? Non, je suis fatigué. Pour l'instant, il vaudrait mieux que tu évites d'aller à l'Astoria. Tu as bien dit que Kandinsky était mort, non? C'est ce que disent les journaux. Mais il vit encore. Il sera très en colère que tu aies tué Ivan. N'oublie pas de fermer ta porte et surtout, n'ouvre à personne. Larry, ne t'inquiète pas pour moi. Bonne nuit. Allez, David, debout. Ah, je suis réveillé. Tu sais ce que j'ai découvert? Quoi donc? Lola et Ivan ne sont qu'une seule personne. Était. Bon Dieu. Celui-là aussi. Merde alors. C'était notre seul lien. Avec tout ça, on va être obligé de recommencer notre affaire à zéro. J'en ai bien l'impression. Oh, ce téléphone. Allô? Oui? Qui est-ce? Oui. Larry, c'est pour toi. Une certaine Brenda. On dirait qu'elle pleure.
Il m'a fait mal. J'ai cru qu'il allait me tuer. Il n'arrêtait pas de me cogner, là, et j'ai eu peur. Tu ne m'as pas encore dit qui c'était. Si jamais je te donne son nom, il me tuera. Non, Brenda, c'est moi qui le tuerai. Fais-moi confiance, tu ne risques rien. Alors, quel est son nom? Il s'appelle Martino. Papa Zian l'emploie dans sa société. Pourquoi Martino m'a battu? Je vois pas du tout ce qu'ils veulent de moi. C'est un avertissement. À travers toi, ils veulent me le faire comprendre. Peut-être est-ce aussi une punition parce que tu m'as parlé. J'ai du mal à saisir. Il doit y avoir une autre explication. Il faut qu'on s'en aille, Larry. Je t'en prie, quittons l'Italie. Emmène-moi. Kandinsky est mort. Pourquoi rester? Tu as plus rien à faire, Ajay. Espèce de fils de pute, tu vas me dire tout ce que tu sais ou je te fais cracher ton dentier! Calmez-vous! Alors, tu vas parler? Pourquoi tu as envoyé Martino chez Brenda? J'y suis pour rien. Je vous jure, j'y suis pour rien. Martino ne fait plus partie de mon personnel. Il a disparu du jour au lendemain. Je veux la vérité. Tu m'as utilisé pour trouver Kandinsky. Kandinsky a été tué et le jeu continue toujours. Quel est donc ce jeu? Tu vas parler? Je n'en sais rien, Stadiani. Rien du tout. Bon, il n'y a pas d'autre solution. Tu vas parler? Attendez, je suis très riche. Dites-moi combien. Et on ne parle plus de tout ça, ok? Non, je veux la vérité. Attendez, je vais parler. Allez, debout. Qu'est-ce que c'est? C'est mon assurance sur la vie, Stanziani. Je n'aime pas les devinettes. J'ai l'intention de la conserver précieusement. Il en existe une autre. Et avec ces deux clés, on peut ouvrir un coffre loué dans une banque suisse. La Ginevra Trust and Credit. Mais il faut les deux clés. La Ginevra Trust and Credit. À chaque fois qu'un chargement de drogue est débarqué, il y a des millions de dollars qui doivent être payés. Cet argent est transféré dans différentes banques suisses sur des comptes numérotés. Dans le coffre de la Ginevra, il y a tous ces numéros de compte. Et si on connaît les numéros de compte, on peut remonter jusqu'au grand patron. Exact. Qui a l'autre clé? L'organisation ne se fie à personne. Même pas à moi. À chaque expédition, l'organisation envoie une personne différente avec l'autre clé. Mais cette fois-ci, personne n'est arrivé. Peut-être que Kandinsky l'a tué, non? Étant donné qu'il connaissait tous les messagers. Il a pu s'emparer de cette clé. Pourquoi, dans ce cas, n'a-t-il pas essayé de te tuer? Non, il ne pouvait pas, car il ignorait où je cachais la clé. Elle pouvait être n'importe où. Aussi bien dans une banque que sur moi. Continue. J'ai fait croire à Kandinsky que je voulais traiter avec lui. Partager, 50-50. Mais il n'est pas tombé dans le piège. Tu es foutu, Papazian. Tu vas me dire tout de suite de qui tu reçois tes ordres. Si je parle, ils me tueront. De qui reçois-tu tes ordres? Je vais le dire. Thank you.
passer à l'American Express comme convenu. Ce que tu attendais est arrivé ce matin. Tiens, Larry. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Serge Kandinsky est vivant. Mais alors, qui est le gars qu'on a retrouvé carbonisé? Il s'appelle George Smith. Je récapitule, attends une seconde. D'après toi, Kandinsky a tué Smith, a récupéré la clé, et toi, tu as celle de Papazian. Et à l'aide de cette clé, tu vas appâter Kandinsky et le faire réapparaître. C'est du bon boulot, Larry. Très bon. Félicitations. Merci. Ça me plaît d'aller au fond des choses que j'ai commencées. Monsieur Goldsmith, si vous m'aviez dit tout de suite ce que vous vouliez, on aurait gagné du temps et ça aurait été plus facile. Mais c'est vrai. Pardon, Larry. Une réaction professionnelle. Je n'en dis jamais plus qu'il n'est nécessaire. Je suis désolé. Je regrette que ça ait compliqué ton boulot, Larry. J'ai fait une petite erreur. Enfin, ce qui est important, c'est que j'ai pas fait d'erreur sur toi. Ah, encore une petite chose. Tu me téléphones dès qu'il y a du nouveau. À n'importe quel moment, n'hésite pas à me téléphoner. Surtout, dès qu'il y a du nouveau, tu m'appelles personnellement. C'est d'accord? Oui, personnellement. Oui, je serai prudent. Je n'ai pas l'intention de quitter l'Italie les pieds devant. Bon, je vous tiens au courant. Jette un coup d'œil voir s'il est dehors. Oui, il est encore là. Tu veux un chewing-gum? Tu vas faire une commission à ton patron. Dis-lui qu'on se retrouve à 3 heures au vieux four désaffecté tapigé. Dis-lui aussi qu'il pense à apporter sa clé. J'apporterai la mienne. Écoute, c'est bon ça. Ça développe la mémoire. Brenda, tu es là? Salut Larry. Y a à boire dans le salon. J'arrive tout de suite. Ok. T'es pas servi? T'as pas de soif? Larry, qu'est-ce qui se passe? Tu as une drôle de tête. Kandinsky est vivant. En plus, j'ai pris rendez-vous avec lui. Je veux pas que tu ailles à ce rendez-vous. J'irai. Ce serait la première fois que je n'irai pas au bout d'une affaire que j'ai commencée. Est-ce que tu as pensé à moi? Larry ne va pas à ce rendez-vous. Ça fait partie de mon boulot. C'est trop dangereux, Larry. Ah, pardon, je t'en prie, pendant qu'il est encore temps. Ils te tueront, ils s'arrêteront devant rien. Ils vont te tuer, Larry, tu m'entends? Pardon, je t'en prie. Donc, n'oubliez pas de dire à M. Stangiani que Tim doit revenir à 6 heures. Entendu. Si la discipline est très stricte. Au revoir. Au revoir, ma sœur, vous pouvez compter sur moi. Au revoir, Tim. Au revoir. À l'hôtel. Qui c'est cela? Des amis. Allez, monte! Non! Ouf!
Alors, tu veux que je vienne? Non. Avec toi, c'est chaque fois la même histoire. Tu me laisses dehors dès qu'il y a de la bagarre. Tu es plus utile dehors, David. On a toujours besoin de personnes qui travaillent avec leur tête. Pas avec leur tête, plutôt avec la tête des autres. Un de ces jours, j'apprendrai à utiliser un de ces trucs-là. Et je vais te faire regretter d'être venu. Tu t'es débarrassé facilement de ces deux cons. Ça n'a été qu'un jeu pour Stanziani. Dis le cobra. Et avec moi, ça va être différent. Alors, le cobra, tu as peur?
Tu peux courir, je t'aurai. Là, il y a une différence. Un cobra. Je regrette d'avoir fait rater ton rendez-vous avec Kandinsky, mais je suis arrivé le premier. Je t'ai pris de vitesse, déjà avec Papazian, et maintenant avec Kandinsky. Il ne reste plus que toi, mais avant de te tuer, tu as quelque chose à me donner. Où est la clé que tu devais apporter à Kandinsky? Tu l'as sur toi? Ou on va la chercher ensemble? Allons, je vais perdre patience. Alors, Cobra, j'en ai assez de m'amuser. Oh oh Entrer ici, il y a une voiture qui est partie. Tu sais qui était au volant? Oui, je l'ai vu. J'en étais sûr. Larry. Tu ne m'attendais pas. C'est une surprise. C'est ton ami que tu attendais. Il devait me tuer et t'apporter l'autre clé. Larry, attends une minute, laisse-moi t'expliquer. C'est de toi que Martino recevait ses ordres. Papazian a été tué sur ton ordre, Brenda. J'ai été obligée. Tu peux pas t'imaginer ce qu'il m'aurait fait si j'avais refusé de leur obéir. J'aurais dû te faire abattre, comme les autres. Mais ils n'ont pas réussi à me convaincre de tuer celui que j'aime. Brenda, dis-moi de qui tu reçois tes ordres. Qu'est-ce que tu aurais de plus? Tu ne découvriras jamais rien tout seul. Tu n'as pas idée du nombre de personnes derrière lesquelles se cache l'organisation. Les chefs sont inabordables. Ils resteront toujours dans l'ombre. Je peux te proposer une solution. On pourrait s'associer tous les deux. Parce que je t'aime. Et je te donne cette preuve d'amour et de confiance. C'est la clé que j'ai prise à Kandinsky. On peut les faire chanter maintenant. On sera riches et heureux tous les deux. Donne-moi l'autre clé, Larry. C'est toi qui l'as. Je l'avais laissée ici. C'est ça que tu voulais, Brenda? Tiens, voilà la clé de la fortune. Oh, Larry, je suis heureuse, tellement heureuse. Tu oublies que mon fils est mort. Mort à cause de toi. Ça a été un horrible malheur. Je voulais pas lui faire de mal. Je voulais juste t'obliger à me donner la clé. Tu aurais revu ton fils et on serait partis. Je voulais pas lui faire de mal. Bravo, tu as réussi. C'est ce que je voulais exactement.
Oui, c'est ce que vous cherchiez, la liste des comptes courants et les noms en code de leur propriétaire. Et le premier de la liste, c'est le vôtre. Ça ne me résoudra rien, Larry. Même si tu me tues, il y en a d'autres dans l'ombre, beaucoup d'autres. Jamais tu ne les auras. Never needed help from nobody. How could I trust them anyway? Better alone, I hit fast and paid out, paid out, paid in. One day I free you up all of your sin. Before I strike, you'll never know. Oh, 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 it's a dirty, dirty way. But let the world be past the first to me. Play, hey, hey, hey. I call the shots, I make the rules. Oh, 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 I'll hit you hard, I'll take my pain. Deep in your face, you feel the pain, and it's too late. Hey, hey, hey. It's coming soon, a day to cry. And there's no trying to get away. His heart is cold and he can be so rough, so tough, so rough. You just can't resist the kiss of a cobra.